Première classe, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Dernière heure de notre émission, on est ensemble depuis 7h. Vous suivez la matinale première classe sur Ivoire FM, toujours au cœur de vos émotions. Et aujourd'hui, on vous sert un max d'émotions avec une invitée qui nous arrive tout droit du Bénin. Elle s'appelle Cécimé. Bonjour. Bonjour, Fafa. Bienvenue. Merci. Ouais, tranquille. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir ce matin. Sur la radio, on nous a parlé de Cécimé, on nous a dit tellement de choses et aujourd'hui elle est devant nous, on va avoir l'occasion de la cuisiner comme je dis souvent pour tous les invités. On va permettre quand même aux auditeurs de savoir qui est Cécimé, de son vrai nom Bido Ceci Christelle Guédou, c'est bien ça, qui est née le 20 février à Kové, au Bénin, est une auteure, compositrice, interprète, chanteuse béninoise. Elle participe avec succès à divers jeux concours. Son succès à la télé-réalité intitulée Coca-Cola Star Promo en 2007 fut le point de lancement de sa carrière musicale. Est-ce que pour l'instant tout va bien? Correct. Alors pourquoi le nom Cécimé? Cécimé d'abord parce que ça vient de mon prénom Bido Ceci. Ça veut dire la même chose. Mm-hmm. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus expressif pour définir mon identité, mes origines, un peu tout. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Donc j'ai préféré garder ça plutôt que Christelle. D'accord. Alors dès l'âge de 13 ans, Cécimé a découvert donc son amour pour les métiers d'art grâce à ses parents, Charles Guédou et Léontine Ondonou, c'est bien comme ça qu'on prononce, oui, qui lui transmettent très tôt leur amour pour la musique et la danse, animée par la grande ambition d'être une star internationale à l'image du roi de la pop Michael Jackson et de la diva africaine Angélique Kidjo, très emblématique Angélique. Elle adopte donc un style afro-pop, rock et zouk aux couleurs béninoises et yoruba. Sa carrière a véritablement démarré donc sur le plan international grâce à son record, à son second album, pardon, Wazakwa, sorti en 2011. En 2012, elle est élue meilleur espoir féminin du continent africain au Kora Awards. Ah, quand même. Alors, Cécimé, à 13 ans, comment est-ce qu'on sait que sa voix, c'est les arts, la culture et tout ça, seulement à 13 ans? Parce qu'on est très jeune quand même. À 13 ans, on est encore touche à tout. Mais comment on est sûr que c'est cette voix-là qu'il nous faut? Non, à 13 ans, je n'étais pas sûre. Ah. À 13 ans, j'étais naïve. Ça me rassure. Innocente. Ouais. Naïve, innocente. D'accord. Mais comme disent mes parents, on sentait déjà la chose en moi parce que mon grand-père, mm-hmm, le père à mon père, il était compositeur, mm-hmm, des chansons exécutées dans les couvents chez nous pendant les cérémonies et tous les rituels qu'on fait pendant les cérémonies. Mm-hmm. Donc, on sentait déjà que je prenais les pas de mon pépé. Mm-hmm. Mais je continuais les études. Quand tout doucement, en 2007, en 2008, la chose a commencé à devenir un peu plus sérieuse dans, mm-hmm, ma vie. Voilà. Mm-hmm. En 2007-2008 seulement? Ouais. Enfin, il y a quand même 12 ans, hein, c'est beaucoup. Oui, parce que j'ai participé à cette télé-réalité, mm-hmm, Coca-Cola Star Promo, mm-hmm, qui m'a reconnue. Enfin, je suis sortie lauréate. J'ai lancé un album. Donc là, tout le monde, j'avais déjà un petit public dans le pays, mm-hmm, tout le monde, mm-hmm, se disait, elle est pas mal, elle chante bien, tu, ouais, vois. Puis elle est jolie, elle est sexy. Merci. Ça dit en passant. Merci. Et après, mon père a dit, non, moi, je veux que tu finisses tes études. Donc, je suis repartie finir ma licence en audit et contrôle de gestion, mon marketing en commerce, et action commerciale et communication. Mm-hmm. Et c'est après ça qu'en 2011... Quand j'ai fini, j'ai dit, ok, je vais entamer vraiment une carrière d'artiste. Et d'abandonner tout le reste? Ouais, je suis allée en cabaret, faire des années en cabaret, dans la chorale. Mm-hmm. Je me suis vraiment formée comme cela se devait, mm-hmm, mais sur le tas, parce qu'on n'a pas de conservatoire chez moi, à proprement parler. D'accord. Et donc, c'est tout ça qui, à partir de 2011, j'ai professionnellement commencé la carrière. À faire une carrière musicale. Moi, j'ai une petite question pour Cécimé. Alors, on a entendu dans la bio que les artistes références qui vous inspiraient sont Angélique Kidjo, la diva, et puis Michael Jackson. Alors qu'au Bénin, il y a quand même d'autres grands chanteurs qu'on a connus. On a connu Jonas Pedro de Africando, on a connu Stan Toon, on a connu Afolove. Pourquoi pas ceux-ci? Bon, Angélique Kidjo, elle est béninoise, c'est d'accord. Elle est béninoise aussi. Alors, moi, quand je dis inspirée, c'est ceux qui m'ont donné le goût de la chanson. Mmh. Et très tôt, quand j'étais ado. Mmh. Et quand j'étais adolescente, j'ai fait une école où c'est vraiment tout ce qui est pop, tout ce qui est... Ah, d'accord. J'étais vraiment urbain.
D'où Michael Jackson, que je m'amusais à interpréter pendant les temps morts quand les professeurs ne venaient pas vite en classe. Et je regardais ça tout le temps à longueur. Ah, ça donne quoi l'imitation de Michael Jackson? Et donc voilà, donc c'était mes influences au départ. Mais après, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'autres artistes qui sont des icônes et qui m'inspirent, comme Jonas Pedro, dont vous avez parlé, Sagbo Randanyalou, de chez moi, notre doyen, Stan Toron, et à son âme, Polyrythmo, enfin, je m'inspire de beaucoup, Myriam Makeba aussi en Afrique, et Nayan Kabel, que j'ai beaucoup interprété également pendant, au cabaret. Une très belle voix de Côte d'Ivoire. Voilà. Alors ça, c'est une très très belle chanson, hein. Je ne vois que toi, chantée divinement bien par Stacy May en featuring avec Mister Léo. Comment est-ce que cette collaboration s'est faite? C'était vraiment, je pense que c'était l'œuvre de Dieu, parce que j'avais déjà fini la chanson. D'accord. J'étais prête à lancer. Quand j'ai fait écouter un grand frère qui m'a dit, la chanson est belle et pour que ça ait plus de poids, ce serait bien qu'on ait une voix masculine. Donc, d'accord. Donne-moi quelques jours, je vais voir qui je peux mettre dessus. Et il est revenu avec la voix de Mister Léo. J'étais aux anges parce que, d'abord, Mister Léo fait partie des jeunes qui brillent, qui ont le talent, qui ont la voix. Mais ensuite, parce qu'il s'est approprié vraiment la chanson, qu'il a écrit un superbe couplet et ça donnait vraiment des frissons. Donc j'étais deux fois contente. Et voilà, donc la collaboration s'est faite à distance. Ouais, à distance. D'accord. Sauf la vidéo que je suis allée tourner au Cameroun. Au Cameroun, à Douala. Et là, je l'ai rencontré pour de vrai. Le D'accord. jour du tournage, on a tourné et puis on est reparti. Génial. Le début de la chanson, Fana Fana Girl, c'est le titre de la chanson avec le featuring avec Rico. Ça veut dire quoi, Fana Fana Girl? Ça veut dire you're too fine for me. Ça veut dire t'es trop bien, t'es magnifique, t'es parfaite. Tu brilles pour moi. C'est un mot que vous-même vous avez créé. Oui, c'est un mot qui existe dans mon dialecte, dans ma langue. D'accord. Le fond. Voilà. Fana Fana Che, pour dire que. Mon bien, mon beau truc, quoi, tu vois, ma belle chose. Et donc, quand on est allé au studio à Rico, il m'a dit, fous une expression de chez vous, un truc pour dire, voilà. Mon bijou, quoi. Voilà, mon bijou. Et donc, j'ai dit Fana Fana, qui veut dire encore, ben, je suis trop fan de toi, tu es trop Fana Fana pour moi. Dans la vidéo avec Rico, on a senti une connexion. Oui, il y avait une connexion qu'il y a toujours. Musical. Heureusement, mais justement, Cécimé fait beaucoup de duos, beaucoup de chansons en tout cas qu'elle partage avec d'autres artistes. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est une volonté propre de faire que des featuring, ou bien est-ce que vous vous sentez à l'aise quand même de chanter un titre toute seule et puis voilà? Si, je pense que c'est beau de faire un featuring parce qu'on a deux univers qui ne sont pas les mêmes, qu'on mélange deux peuples, deux cultures. Et c'est l'intégration culturelle en Afrique. Donc moi, je trouve que c'est toujours beau. Je gagne quelque chose et les artistes invités également gagnent quelque chose, je pense. Et nos publics sont très contents de voir ce brassage culturel-là. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais après, c'est aussi bien d'évoluer seul sur des titres comme Accro qu'on vient de lancer. Bien sûr. D'accord. Et justement, la connexion avec Rico, est-ce que c'était pareil à distance comme ça s'est fait pour Mister Léo? Non, je suis venue à Abidjan parce que je voulais faire un feat avec un artiste ivoirien. D'accord. Et j'ai dit à mon staff, on devait choisir entre Shadow Chris et Rico. Quand on est arrivé, Shadow Chris, il était au studio, voilà. Et on a dit, ben Rico, qui venait d'une télé-réalité comme moi. Et donc, voilà, c'est un autre jeune, on n'a qu'à s'essayer pour voir ce que ça donnait. Et donc, on a fait Fana Fana. Ouais. Très belle vidéo. Tu veux réécouter un bout? Non, ça va. Moi, j'ai juste une question à poser à Cécile. Je vais revenir en 2019 au Bénin, au CV, le prix de la meilleure artiste de l'année au top 10. Et vous dites, quand vous recevez le prix, vous avez dit que vous avez reçu beaucoup de coups durs, vous avez souffert, mais vous vous êtes relevé. Expliquez-nous un peu cette période de votre vie. Alors, il faut dire que depuis les débuts, j'ai évolué en autoproduction. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, Fana Fana, tout le début, jusqu'à la veille de la signature avec Sony Music, ça a été de l'autoproduction. Donc, on gagne, on réinvestit. Avec mon staff, c'était deux ou trois personnes qui croient vraiment en moi, qui sont là avec moi depuis le début. Mais ce n'est pas évident, parce que je suis dans un pays où la musique,
pendant longtemps n'a pas été perçu comme pouvant être un métier et dans lequel les gens pouvaient investir. Donc du coup, les gens, ils n'investissent pas beaucoup. Mm-hmm. Vous voulez aller à l'international, vous êtes confronté à faire des vidéos de haute qualité, vous êtes à faire des enregistrements de qualité. Et sur fond propre, c'est pas comme en Côte d'Ivoire, où les gens croient en vous et puis mm-hmm. Voilà, donc c'était pourtant, pas les facile. Artistes d'ici, ils disent la même chose. Hein. Ah ouais? Ouais. Non, ma chance que... en fait, la Côte d'Ivoire, chez soi. Abidjan est la capitale du showbiz, donc quand même, il y a plus d'opportunités, ouais, je trouve. On dira ça comme ça. Un petit peu plus. Mm. Et ensuite, ben, il y a les coups bas, il y a les entre artistes, les fans des autres artistes, les pics qu'on vous lance, les prestations sur lesquelles, par exemple, vous êtes destiné à jouer, mm-hmm. et après vous apprenez que non, on vous finalement, a boycotté, on a mis quelqu'un d'autre, ouais. parce que vous n'êtes pas dans les réseaux qu'il faut. Donc c'est assez difficile et parfois vous avez juste envie de tout abandonner. Mm-hmm. Mais quand vous tombez sur un message d'un fan ou d'une fan qui dit « Ce matin, je me suis réveillée avec ta chanson, ça m'a donné la force de me lever, d'aller de l'avant. Mm-hmm. » Tu te dis que ce n'est pas dans le vide bien et sûr. Qu'il faut aller de l'avant. Donc ça fait partie des choses qui me donnent le courage de tenir et de foncer. Et voilà. Alors, on a pu voir tout à l'heure dans le parcours de Cécile May qu'elle est aussi auteure, compositrice. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Comment est-ce qu'on compose une chanson comme ça? On vous levez le matin, ça vient. L'inspiration, vous la tirez où? Ben, parfois, on écrit un thème. Et on se dit, je veux chanter l'amour. Mmh. Quel type d'amour? Je veux chanter la déception. Cécile May chante beaucoup l'amour. On va revenir à ça tout à l'heure. On se dit, oui, parce que je trouve que c'est le premier de tous les sentiments. L'amour intime, l'amour pour ses parents, l'amour pour l'être humain, l'amour pour sa sœur. Mais en tout cas, c'est le tout premier sentiment. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, il manque. L'amour vrai, véritable, dans ce monde-là, et il faut davantage le chanter, quoi. Je suis d'accord. Voilà, donc, on choisit le thème, et après, on se dit, ben, je vais parler de la déception, et je me dis, ok, j'ai vécu ça, et j'ai envie de dire en chanson. Mm-hmm. Ou soit, j'ai une sœur où on m'a raconté une histoire, où il y avait ça dedans, où j'ai suivi un film, et à la fin du film, ben, j'ai été tellement touchée que... je veux parler de ça. Mmh. Ou carrément, ben, sous la douche ou à la cuisine, ben, ça vient tout simplement, tout bonnement, comme ça, l'inspiration. Tu veux parler de ta vie en fait aux femmes, ou donner du courage, ou parler de Dieu, parce qu'après une prière, un matin ou un soir, tu as vraiment senti l'esprit te toucher et tu as envie de parler, de dire merci à Dieu. Mmh. Et là, tu te lances dessus. Donc, je me laisse vraiment aller à mon environnement, à ma vie et également aux expériences que je partage avec les personnes que je rencontre, comme avec d'accord. toi, par exemple. Merci. Parlons d'expérience. Récemment, au Bénin, vous apportiez votre soutien aux mères célibataires. Aux mères qui élèvent leurs enfants toutes seules. Parce que avant, il y a eu la perte, le décès, malheureusement, d'une fillette de 11 ans. Et ça vous a beaucoup touché. Mm-hmm. Oui, énormément. Vous imaginez un enfant que vous avez mis au monde, vous avez vu grandir, aller à l'école, rentrer, et subitement, ben, quelqu'un décide de lui ôter la vie comme ça. J'ose même pas imaginer les cris de l'enfant quand cela se passait. Et c'est tellement touchant, c'est tellement atroce que c'est compliqué d'en parler. C'est très touchant. Donc moi, je dis, il faut qu'on en parle. C'est à condamner. C'est ça que j'appelle le manque d'amour. Si on avait l'amour véritable, on n'irait pas, en tant qu'être humain, arracher la vie à un enfant. Bien sûr. Il faut en parler. Il ne faut jamais cesser d'en parler et condamner la chose, que ces personnes-là soient vraiment sanctionnées. Je sais qu'aucune sanction ne ramènera à l'enfant, mais ces sanctions permettront de dissuader d'autres personnes d'agir de la sorte. Mm-hmm. Voilà. Vous êtes engagé à une cause particulière avec des grandes organisations Oui, il y a d'abord l'enfance difficile. Donc, de temps en temps, les ONG font appel. Moi-même, j'ai une ONG, Ozakwa, qui milite pour le mieux-être de l'enfant. Ça veut dire quoi, Ozakwa? Ozakwa, c'est une onomatopée que j'ai créée pour dire souvent les enfants. Elle crée beaucoup de choses, hein. Beaucoup de mots qu'elle crée. C'est une chanson qui est d'ailleurs sur mon deuxième album et qui veut dire souvent les enfants et qui d'ailleurs a été la chanson grâce à laquelle toutes les ONG ont demandé jusqu'à ce jour à ce que je travaille avec elles. Donc voilà. Mais ensuite, il y a un autre côté qui me tient énormément à cœur, c'est le leadership féminin et la violence faite contre les femmes parce que les femmes sont violentées. Et on demande aux femmes de s'engager dans la société, de prendre la place qui est la leur, d'aller de l'avant, d'être des leaders.
Mais comment une femme peut être leader si elle n'est pas épanouie dans sa tête? Exactement. Si elle subit des frustrations, de l'intimidation, de toutes sortes de violences, c'est impossible. Donc, bien on ne cessera jamais de parler des violences faites aux femmes, mm-hmm. qu'elles subissent dans leur foyer, qu'elles subissent au travail. Et ça fait juste rire quand des hommes disent « Nous aussi, on est violents, on est violentés. » Je me dis, c'est ironique, c'est une manière d'insulter même le combat, parce mm-hmm. que le combat, il est là, il est véritable. Mm-hmm. Et Dieu sait que nos mères, nos sœurs, beaucoup de femmes subissent cela des hommes. Voilà. Ouais. Et de la part de d'autres femmes aussi, mm-hmm. parce que ça ne vient pas que des hommes. Ah, c'est les femmes même sont devant nous. Voilà. On est nos propres bourreaux, c'est sûr. Alors, il y a un hashtag qui a été lancé justement sur Facebook depuis quelques jours qui fait un peu le tour de la toile, vraie femme africaine. C'est hashtag vraie femme africaine ou hashtag vrai homme africain, je sais pas, mais en tout cas c'est un hashtag qui a été lancé par une amie féministe qui s'appelle Bintou Traoré Mariam. Et en fait ce hashtag là c'est pour casser les stéréotypes. En fait c'est totalement ironique, mais c'est un hashtag pour dire des réflexions, des pensées que des hommes ou des femmes autour de nous ont pu avoir. Donc on a assisté à un boom sur les réseaux sociaux en seulement 2 jours, c'est juste depuis avant-hier, ça fait à peine 3 jours que ça fait juste 3 jours que ça tourne un peu sur la toile ivoirienne. Et c'est hashtag quand je parle tu te tais, vrai homme africain, hashtag les femmes c'est bon pour la cuisine, vrai homme africain. Donc c'est ironique, mais c'est des pensées que des personnes autour de nous ont. Voilà, et donc ça permet vraiment à chacune de casser un peu les stéréotypes. D'accord, parlons de stéréotypes. Ouais. Récemment, une internaute a demandé à Cécimé de revoir sa manière de s'habiller et de penser à se marier. Ah, alors, oui. Carrément. Dans mes recherches, j'ai vu ça quelque part. Une internaute qui demandait à Cécimé de revoir sa manière de s'habiller et puis de penser à se marier. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Alors, d'abord, revoir ma manière de m'habiller. Mais je pense que je m'habille pour moi-même d'abord. Mm-hmm. Il faut s'habiller pour être à l'aise dans sa peau. Il faut s'habiller pour, comme je dis, se sentir épanoui, se sentir heureux pour pouvoir mieux servir ce qu'on fait, apporter son plus à la société dans laquelle on est. Donc, je ne me vois pas nue, je ne me vois pas exagérée. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci sur ce point. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Il y en a qui trouvent que c'est très bien, il y en a qui trouvent que c'est pas bien. Ouais. Je pense que ils sont juste, ceux qui trouvent que c'est pas bien, ils sont juste un peu choqués par le fait que Cécimé est un peu plus sexy. C'est-à-dire qu'avant, c'était des tissus tout le temps, des panafricains tout le temps. Aujourd'hui, je fais de la musique afro-urbaine, donc je décide de mettre un peu plus en exergue mes rondeurs parce que je suis pas mince, je suis grande. Et donc, elle est en pime, comme on dit. C'est un peu choquant pour certaines personnes, mais bon, je suis désolée, je me vois pas nue et puis j'assume. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pas encore d'enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Si ça, je suis pas encore mariée. Je veux pas me marier parce que j'ai des sœurs qui se sont mariées et courir demander venez m'épouser. Non, j'ai pas encore eu la chance que quelqu'un me demande en mariage. Est-ce que Cécile veut se marier? Je veux me marier comme toutes les femmes. Je fais pas partie de ces femmes là qui disent. Est-ce que le mariage va pas mettre un frein à la carrière? Le mari va pas venir. Je ne pense pas. Mais si ça doit venir, je me marierai pas avec cette personne là. J'attendrai de rencontrer celui là qui sera d'accord pour ma carrière, qui sera d'accord pour m'accompagner. Parce qu'il y a une chose, beaucoup de femmes se marient par défaut et après abandonnent leur carrière professionnelle. Je suis totalement d'accord. Et je pense que ce n'est pas bien si vous aimez une femme. Hier. Oui, exactement. Oui, si vous aimez une femme, vous devez l'accompagner dans ce dans quoi elle était. Exactement. Vous l'avez rencontrée pour qu'elle se sente plus épanouie. Il y en a beaucoup qui sont à la maison, qui font plus ce qu'elles aimaient faire. Des parents qui ont mis leur fille à l'école, qui ont étudié et qui après à cause du mariage sont à la maison juste pour éduquer les enfants ou aller à la cuisine. Oui, mais c'est pas que ça. On a besoin des femmes d'affaires, femmes commerçantes, femmes leaders. Voilà. Exactement. Dans ce qu'elles font. Voilà. Moi, j'attends juste si un homme qui peut m'épouser vient, je me mets pas la pression. En Afrique, on nous dit il y a un âge pour faire les choses. Ouais. Non. Quand le bon moment. Bon, il y a la ménopause, effectivement. Oui, mais bon, si ça arrive et que j'arrive pas à faire d'enfants jusqu'à ce moment-là, je vais en adopter. On a l'habitude d'aller faire des dons dans des orphelinats. On pleure pour ces enfants-là qui ont perdu leurs parents très tôt. Mais personne ne veut prendre en charge ces enfants-là. Si j'arrive pas à avoir d'enfants, je vais en adopter. J'ai dit ça, ça a choqué certaines personnes. Ça devrait pas choquer. C'est des enfants, des bébés qui naissent à la naissance et qui perdent leurs parents. Moi, je dis, si j'arrive pas à connaître la maternité, j'ai ma sœur qui a des enfants,
qui me prennent comme leur maman, on s'amuse tous les soirs, tout le temps, à chaque instant. Et il y a des enfants qui ont besoin d'amour. Je c'est peux clair. En adopter. C'est et clair. Voilà, c'est, je contribue également à l'humanité comme bien ça. Bien sûr, voilà. C'est le plus important. C'est quoi votre gendarme, c'est quoi votre gendarme? Mon gendarme, un peu grande taille, parce que je suis très petite de taille, donc je ne veux pas faire des enfants petite taille. Je voudrais qu'ils aient un peu la moyenne, donc il faut qu'ils soient... Genre 1m90 Quand même. c'est beaucoup. Basketteur 85, je sais pas. Il ne faut pas qu'ils me donnent la gifle côté taille, quoi. Non, je pense que ça, c'est le type d'homme. Et après, il y a celui que le cœur choisit. Il ne choisit pas de tomber amoureux de quelqu'un qui physiquement, machin, truc. Mm-hmm. Quand le cœur parle, vous vous retrouvez devant quelqu'un de taille moyenne. Et puis voilà, c'est votre cœur qui a parlé. Vous l'aimez. Et c'est ça, c'est tellement beau, c'est mignon. Est-ce que Cécile pourrait être avec un homme du showbiz? Oui. Sans moi, problème ça, j'ai aucun problème avec l'âge, aucun problème avec qu'il soit du si showbiz. S'il est moins âgé que vous, ça ne dérange j'ai pas? J'ai aucun problème avec ça. S'il a déjà des enfants, ça ne dérange pas? J'ai aucun problème avec ça. Elle a un problème avec quoi? Je suis juste passionnée et je veux juste vivre ma vie, ouais. Parce qu'on n'a pas tout le temps devant nous. C'est clair. Faut profiter de chaque instant de et se sentir bien dans sa peau, c'est le plus important. Alors, dernièrement, j'étais dans un débat avec des amis. Votre clip venait de passer et juste après est venu celui de Blanche Bailly. Et il y a eu une discussion, mais qui est la plus en forme? Qui est la plus optime? C'est Blanche Bailly. Blanche est là. Non, mais attends, t'as vu ce qu'elle a derrière là? Mais on s'est séparés en 50-50, il y avait des fans de Cécile et des fans de Blanche Bailly. Donc on trouvait que Blanche Bailly, c'est un peu disproportionné. Non, ceux qui préfèrent se lever, ceux qui sont moyens, qui passent. Ils vont rester avec Cécile. Chacun trouve son gabarit. Mais ceux qui aiment mieux que de la deux gaules les plus en pime du show bizarre. Vous avez mis José où? Non, José, c'est Abidjan. Non, José, c'est Abidjan. Catégorie. Sur le plan international. Elle est hors catégorie, José. Non, franchement, José, j'ai pas encore trouvé son calme. Elle sort ronde, hein? Non, j'ai pas encore trouvé le calme de José. Il y a Chanel aussi qui est... Même Chanel à côté, je crois que c'est moyen. En tout cas, moi, j'ai perdu non, un parce peu. Que, parce que et donc, chante aussi, elle on a dit de... d'accord, un bon d'accord. On a dit de... Coquille accordée. Coquille, oui, c'est mon gars. DJ Sommet des Sommets. Sommet des Sommets, c'est mon gars. J'allais vous dire qu'on a ça en commun. Le gars, je l'adore. Et vous l'avez rencontré tout dernièrement. C'est un jeune DJ béninois qui, avec sa radio cassette... Oui. Fait des mix. Mais c'est un talent, ça. Enfin, en tout cas, c'est notre fierté. Il a tué le gars. Ouais, c'est notre star. C'est le gars people aujourd'hui. Tout le monde parle de lui. Tout le monde veut... c'est le buzz du Bénin en ce moment. C'est notre buzz et on est content. On est mal content, même, franchement, quoi. Ouais. Et il passe sur les médias ici à Abidjan, partout. Tout le monde non, parle franchement, de lui. C'est la vidéo. Moi, je peux regarder 10 fois la vidéo. Ouais. Avec après, il apporte la bonne humeur. Ouais. Il rate pas ses vidéos. Je suis abonné à sa page. Moi, je vais aller apprendre comment il anime. Franchement, c'est j'adore. Ça part de rien du tout, non, mais j'adore. C'est amusant et c'est ça nous détend. C'est rafraîchissant, franchement. Ouais. Alors, on est accro hein, de Cécile, mais on l'écoute depuis presque une heure et on n'a pas envie de la laisser partir. Mais bon, il est quasiment 10 heures, donc on va bientôt terminer notre émission. Non sans écouter son dernier titre, oui. Accro, c'est sur l'album à venir. Ça va être sur l'album parce d'accord. Que, ouais, on s'est en projet avec Sony, mais tout, pour le moment on évolue sur des projets, donc après on va faire la sélection, mais je pense qu'Accro sera dessus, parce que quand même c'est le tout premier qu'on a lancé ensemble, donc c'est notre bébé qu'on va chouchouter, il sera sur l'album. Accro c'est très fort, Me and You c'est pour la life, un jour je serai ta wife, il n'y a pas de moi sans toi, mon cœur bat pour toi, donc je elle suis... Elle l'a déjà dit, attends. Elle aime l'amour. Non, mais attends, c'est lui qui c'est vous parle. C'est romantique. C'est-à-dire que l'homme de la vie de Cécile, il est déjà là, parce que... Elle a Accro, beaucoup de Goumin, on dit que les femmes qui chantent beaucoup d'amour comme ça, c'est elles les plus déçues en fait. C'est vrai. C'est vrai, non? C'est vrai. Qui a dit ça? C'est quelque chose qui est constaté. C'est vrai. Les personnes les plus sensibles et les plus généralement, c'est les femmes qui constatent les choses. Donc, les plus déçues en amour parce qu'elles donnent tout et elles reçoivent tout. Et nous, si on donne tout, attendez, on ne va pas faire un débat sur ça. Non, vous ne donnez pas tout. On donne tout. Non, la femme donne toujours beaucoup plus que l'homme. Ah ouais? Ouais, c'est clair. Bon, bah, comment faire deux contre un? Il y a des gens qui me disent aujourd'hui, dans une relation, il faut pas te mettre avec quelqu'un dont tu es amoureux à mort. Il faut, je l'aime bien, tu vois. D'accord. Sinon après, on est submergé et c'est, on est brisé. Quoi. On est brisé complètement. Donc l'amour n'existe plus. Donc il faut prendre un gars. C'est lui qui est fin et puis toi t'es fin. Ça c'est pas bien. Ça c'est mesquin. Tu vois la différence. Il te donne tout. Il est fin. Toi tu es fin.
net, ça équilibre les choses, tu vois. D'accord. Voilà. Papa, tu n'es pas gentil. Un spectacle à Abidjan avant de partir? Ouais, mais on attend que ça mousse bien. Non, pas avant de partir. Ah non, on va revenir pour ça. Peut-être qu'elle va s'installer à Abidjan un jour, qui sait. Oui, parce que quand même. Si elle trouve l'amour à Abidjan, ouais. Si je trouve la. Je savais. Bon, les gars, connectez-vous. Ceci met à Abidjan. Elle est célibataire. Oui, je suis célibataire sans enfant, mais je suis pas un cœur à prendre. Quelqu'un est là. Ah, mais voilà, mais faut nous dire ça avant de fermer la route. Ou bien, c'est pas encore possible. C'est gâté. Il n'a pas encore pris tout le package. Mon gars, si tu es malin, c'est il faut l'épouser en même temps. Dans la chanson, parce que si quelqu'un d'autre entend ça, ils vont courir derrière ta gueule. Méfie-toi. Maman, on a fini. On espère que vous avez pris un plaisir. En tout cas, nous, ça a été le cas. On a pris beaucoup de plaisir à recevoir Cécimé, son bel univers musical très sensible, très émotif, avec plein de cœur. Et puis, on vous embrasse. On se retrouve lundi avec toujours autant de joie dans la matinale. Ciao, ciao. En première d'ici classe. Là, portez-vous bien, bon merci, week-end. Merci à tous. Fais un petit mot, un petit coucou à nos auditeurs. Ouais, gros coucou à tous les auditeurs de Ivoire FM, spectateurs de Ivoire TV. Ouais. Et merci pour la force à tout le groupe Ivoire. Vraiment, vous êtes très chouette. Merci. Love you. Dieu vous bénisse. Amen. Ciao. Première classe, du lundi au vendredi. De 7h à 10h.